Yo tout le monde, c'est Malcouder pour une nouvelle vidéo qui sera sur League of Legends. Comment bien jouer Pente. C'est un petit tuto comment bien jouer. Tout d'abord, pour bien jouer Panthéon, je vais vous montrer en deux parties, c'est-à-dire la première partie qui sera... je vais vous montrer parce que c'est un peu le plus important pratiquement. Non, pas vraiment en fait. En gros, pour les maîtrises... Vous prenez ça, c'est-à-dire de la D, c'est des dégâts physiques, plus un peu de défense. Je vous laisse regarder, vous mettez sur pause et vous faites ça si vous n'arrivez pas vraiment à jouer avec Panthéon. Merde. Ensuite, vous allez vers les runes et vous prenez de la D. Pas full AD, hein, bien sûr, vous prenez des dégâts d'attaque. Hop, un petit peu. Ensuite, 3 paliers, quand vous êtes niveau 30, hein, 3 paliers de dégâts, 2,25 de dégâts d'attaque. Plus plein de petites armures, enfin ça c'est des grands sauts d'armure, c'est-à-dire ça se trouve vers les magasins de runes. Bon, ça coûte un peu cher, hein, je vous l'accorde. Mais quand vous avez tout ça, c'est bon. Enfin, quand vous avez l'argent, c'est bon. Ensuite, de la résistance magique. Et puis voilà, je voulais vous dire aussi pourquoi j'étais absent pendant 2 semaines. C'est parce que en fait j'étais malade et j'avais une otite. C'est-à-dire, bah, je sais pas vous expliquer, hein, ça fait juste mal et puis c'est pour ça que je suis pas allée en cours. Donc on se retrouve pour la deuxième étape qui est le gameplay. Tout d'abord pour commencer avec Pente. Faut prendre le A qui est une pique qui l'envoie. Attendez, déjà je vais vous expliquer. Ensuite, vous prenez un flacon cristalline. En gros, c'est les objets de départ qu'il faut prendre. Flacon cristalline, vous prenez pas 3 potions de soins. Vous calmez, ok. Vous prenez une potion de mana. Puis après, vous partez tranquille dans les bois. Non, je déconne. Ça m'énerve d'avoir une voix qui court en vrai, putain. Objet de départ, vous prenez flacon cristalline. 2 potions de soins, un potion de mana. Une potion de mana. Et vous prenez la lance, parce que la lance, ça fait du dégât. Et puis, puis voilà. Parce qu'en fait, regardez. Mon perso peut taper de là. Comme ça. Il peut taper. Il peut taper... oui, c'est pas un archer, quoi. C'est vraiment un warrior. C'est un off-tank, quoi. Off-tank qui veut dire qu'il doit avoir de la protection, enfin, de l'armure, plus de la vie, avec de l'attaque. Et là, c'est bon, il est off-tank. Mais faut qu'il soit fit pour ça. Et je me tape. J'ai pas regardé parce que j'étais pas là pendant le chargement. Shaco, il est jungler. Là, je parle adverse. Hein. Sinon, Lux, elle est sup. Ezreal, ADC, V, jungler. Ahri, elle est mid. Et moi, je suis top. Top, mid, bot. Voilà. Et puis, tout. Je fais quand même ward ici. Parce que j'ai découvert comment enlever les bandes noires. Parce que c'est Fraps, en fait. C'est les options. J'avais pas... Et moi, en fait, je me tape contre Irelia. Et Irelia, je peux vous dire que ça fait vraiment mal. Puis là, voilà, elle a découvert qu'elle s'est pris une lance. La meuf, quoi. Wow! 60 secondes! Attendez, 2 secondes. Voilà, parce que ma télé... Voilà. Elle allait s'éteindre autrement. C'est pas sympa. I need to play... target... je sais pas quoi. Voilà, tu te prends une lance et tu te calmes direct, s'il te plaît. Merde, va y mettre ça sur un sbire. C'est bon, j'ai juste tapé l'autre. Allez, venez. Les sbires, ils sont tous venus sur moi. Bon, là, je parle pas vraiment. Parce que voilà. En fait, je lui mets du petit dégât, regardez. Puis, voilà, elle se prend du dégât. Et ça fait plaisir, vous voyez. Après, je pourrais lui sauter dessus, elle prendra encore plus de dégâts. Hop, toi tu prends cher, tu prends cher. Sauf que toute la wesh, là je vois bien ton genre. T'es du genre à bien fracasser. Tu sais que la meilleure défense, enfin la meilleure attaque c'est la défense. Hein. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Mais c'est pas grave. Merde, d'avoir un peu d'armure quand même la salope. Hein. Oh, je vais prendre tous les sbires dans la face. Ouais, j'ai pas pris le bon. Si, je prends du mana. Vous voyez, là, j'ai plus de mana, mais heureusement que j'ai pris une petite popo, tranquille. Ouais, SS, ça, mais c'est pas grave.
Je l'ai dit, hein. Vous êtes témoin. Rien à foutre. Ok, elle a pris des... pris de la popo. À la bac. Ça, ça m'a permis de farm à mon côté. Vous voyez les dégâts qu'elle fait, c'est juste inhumain. Oh, c'est inhumain, quoi, les dégâts qu'elle met. C'est... Enfin, là, elle m'a pas vraiment mis de dégâts. Ah, c'est cool, parce que vu que maintenant, je peux décaler la caméra, je pourrais plus être actif, c'est-à-dire comme ça et tout. Ça, c'est pas mal. Ça pourrait me montrer que je suis plus fort que... T'es un peu dans la mouise, là. Hop. Bon, si vous voulez savoir, parce que là, maintenant, je suis classé, j'ai perdu 4 parties sur 10, qui fait que, du coup, je suis bronze... Je suis bronze... bronze 3, là, du coup. Mais franchement, c'est beaucoup plus facile que argent, parce que argent, franchement, j'étais tellement nul. Enfin, c'était les gens qui étaient forts, en fait, c'est ça le pire. Ah merde, oh, ils sont allés trop vite, là. Ils sont allés trop vite, les sbires. Bah, moi aussi, je vais back, tu sais, R&A, on t'a tous vu, hein. On t'a tous vu. J'ai rien, vous... Ok, je crois pas qu'elle a pris de TP. Non, elle a pas pris de TP, la salope. Après, vous partez sur ça, parce que ça fait du dégât, et c'est cool, les dégâts. Alors, attendez. 92. Oh, elle s'est bourrée de potions, là, la meuf. C'est bon, elle en peut plus, hein. En fait, elle aussi, elle veut la jouer safe, mais d'un côté, elle la joue... pas vraiment safe. Parce qu'elle la joue agressive, hein, d'un côté. Moi, je la joue safe. 100% safe, là, je vous le dis direct. Et là, par contre, je vais faire attention. Je pense qu'il y a une balise. Non... Ok, super. Je vais attendre qu'elle a des push. Ok. Ah, mais c'est bon, merde. On le sait tous que tu fais du dégât maintenant. Sauf que moi j'en fais plus. Ah, t'as pas. Ah, si, elle a quand même plus de rapide de vitesse que moi. Sauf que moi je fais du dégât, ma gueule. Wow, 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 ça c'est de l'armure. Voilà, elle se régène, la salope. Je connais ma voix. Sauf que vous avez vu, Irelia, c'est super OP, je trouve. C'est pour ça qu'en Rocket, on la supprime tout le temps. Voilà, et là, la push, du coup, j'ai tous les sbires à mon cul, c'est super. Il y a le loup derrière, quoi. Oh là là, c'est galère. Bon, je suis à combien de farm? 32 et elle, 26. Ok, c'est parfait. Sauf qu'elle a plus de vie que moi, la salope. Alors, on a 1100. Pour ça. Moi, je te fais du petit dégât comme ça, tu vois, ça passe quand même tout le temps. Tellement pourri. Oh si, ça fait du dégât, hein, cette merde. Oh, j'ai failli crever. Ça fait max dégâts abusé. C'est une Irelia, quoi. Et en plus, elle se bourre à la potion, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte, se bourrer à la potion, comme ça, tranquille. Vas-y, et bim! Ça, c'est du savoir-faire. GG. Ok, on reprend, normal. YouTube. Ça, ça veut dire moi aussi. Mais voilà, je vais pas vous apprendre. Hein. Si vous regardez comment bien jouer Panthéon, vous connaissez le jeu. C'est tout. Ah oui, donc, ça, oui, le jeu. Ah si, je vous ai déjà dit, ouais, parce que... J'avais essayé de faire une... Une partie, parce que autant vous le dire... Et j'ai fait une tentative de reconnexion. Et là, j'étais bien blasé. C'est moi qui vous le dis. Puis voilà. Ensuite, une fois que vous avez les 3 sorts, c'est-à-dire quand vous êtes niveau 3, vous améliorez tout le temps le A. Parce que regardez, maintenant, ça fait 185 de dégâts plus 71. Enfin, je crois. Là, je suis par dégâts pour l'instant. Ils ont l'air de bien jouer quand même, les gens là. Parce qu'ils la jouent tous safe à peu près.
Moi, perso, je fais du 0, 0, 1. Harry, elle fait du 1, 0, 1. Oh, Vi, elle fait du 3, 0. Ouais, non, je vais pas y aller, ça sert à rien. Est-ce qu'elle se rebourre encore de popo, la salope? Oh, si, encore. Elle fait 102 de dégâts, maintenant. Elle a de l'armure magique, mais je comprends pas. Enfin, de la résistance magique, mais moi, je... Ouais, c'est pas grave. En plus, elle se prend des dégâts de sbire, quoi. Je crois qu'elle est perdue, la pauvre. Elle est perdue. Même si elle a FK, je l'attaque, parce que soit tu joues pas. Et moi, je l'attaque. Voilà, allez, boum. Bon, là, par contre, c'est sûr que ça se fait pas, parce qu'elle est sous sa tourelle. Mais là, je vais quand même attendre et tout, parce qu'elle perd du farm. Je crois qu'elle a un train de se battre avec ses collègues dans le chat. Ça doit être ça, en plus. Oui, elle se bat avec ses collègues. Sauf que moi, je te fais du dégât, bitches. Vite, faut y aller là. Non, Albac. Les gars, putain, les sbires quoi. Vous me décevez. Ensuite, vous prenez bien le E. Parce que le E, c'est permastun. Regardez. Abîme. Attendez, je regarde. Je peux aller ici. Et je vais y aller. Voilà. Je sais pas c'est quoi. Olé. Sorry. Ok, ça me fait un kill. J'ai plus de mana par contre pour le Drake. Bon, c'est pas grave, hein, au pire. Parce qu'en fait, le passif de Panthéon, je sais pas si vous l'avez... vous le connaissez. Parce que... Attendez, mais ça veut se fight. Le passif, en fait, c'est que quand il met des coups, regardez, là, il a son bouclier. Voilà, t'as cru quoi, toi? Ok. Non, faut pas filer l'autre. Hein. Ok, j'ai plus de mana. Plus de mana, c'est bon, je... J'ai rigolé. Ouf. Grouille. S'il te plaît, vite. Ouf. Oh, le Shaco, il me fait tellement flipper, lui, maintenant. Même sa carte d'agent me fait flipper. Elle gire là, Harry. Hein. Regardez un peu son score. La vie, par contre, elle est feed. Putain, c'est grâce aux collègues. Moi, perso, je feed pas d'un pouce. Il y a juste Ezreal, quoi. C'est... Comme par hasard, c'est l'ADC. C'est l'ADC. Au lieu que ce soit lui qui soit feed. C'est pas grave. On sait que le plus dur rôle, c'est ADC. Je prends tellement cher là. Ouais. Oh, ça, c'est du farm extrême. Si j'arrive comme ça avec l'ulti, vous pensez qu'ils vont tous se barrer? On teste, hein, on verra bien. Ah, ils ont tous peur. Putain, ils jouent bien les salopes. Oh la pute. Oh, il a bien KS. Hein. Nice KS. Hein. Franchement, mais c'est pas grave. Ça pue. Disait ça pue. Non. Ok, elle est... Mais putain, mais casse-toi, toi, salope. Salope. J'ai tout le temps de la chance comme ça. Pas permis. Par contre, le Shaco, si vous le feed... On est mort. Ok, ça c'est fait. Ils disent ça pour qu'il soit dead. Vous voyez, quand on parle, ça vient. Bon, attendez. Parce que là, je suis en train de me lamenter, ça va pas le faire, faut que je me calme. Je refais mon stuff, hein, 2 secondes. Ça c'est plus trop utile. Ok, bon, je vais aider mid. Non, je vais aider top. Par contre, si vous pourrez me dire... Ah oui, je voulais vous remercier quand même d'un truc, parce que je crois pas que je vous l'ai dit.
Merci quand même de la. Enfin, vous savez, de la vidéo que j'ai faite il y a quand même quelques temps, il y a au moins 2 semaines. Straight in Deep, comment y arriver? Il y a eu beaucoup de j'aime, franchement, c'est super sympa. Et il y a eu 2 commentaires comme quoi que ça vous avait beaucoup aidé. Et ça, franchement, ça fait super plaisir que je vous ai quand même bien aidé. Et puis voilà, je vais quand même aller push la tourelle parce que on a quand même géré contre une Irelia. Elle fait du dégât là ou pas? Ah oui, c'est vrai, elle avait fait un kill pendant le team fight à peu près. Sauf que moi, maintenant, je peux te dire que je fais max dégâts. Voilà, c'est tout. C'était tout. Voilà, je fais du dégât. Sauf que toi aussi, ma gueule. Si, si, la famille. Et voilà, maintenant Irelia, je sais qu'elle peut plus rien faire contre moi, donc c'est. Pourquoi mon 3 il marche pas, t'es sérieux? Bon, ça veut dire qu'il faut que je change. What? Tu veux plus fonctionner? Attendez, je back 2 secondes. Ah non, c'est vrai, j'avais dit que je devais push. Mais pourquoi tu veux plus? Est-ce que. Ouais. Ah, c'est bon. Putain, vous savez quoi? Je vais le mettre comme ça au pire. Par contre, l'ulti de Pand, je l'adore. C'est un peu comme une TP, mais. Ah oui, je l'ai jamais utilisé la TP. Hop! Quand tu parles de l'eau, attention! Je suis quand même niveau 11. S'il te plaît. Je suis pas rien. Bon, niveau résist, c'est sûr que moi je suis off-tank, mais. Je suis pas vraiment off-tank. Mais attention, j'arrive! Avec mon trident. Mais il se fout de ma gueule, lui! Tellement de ma gueule. Regarde. Oh, j'ai une idée. Il va revenir au mid. Non. Attention. Fais gaffe. Mais il est con, quoi. Ok, excusez-moi, mec. C'est énorme. En fait, je vous explique un truc. Quand, vous savez, quand ça vient vers les... Vers les... 15e minute, 10e, ouais, à peu près. Et bah, quand vous voyez que vous l'avez joué safe et tout, et vous êtes mort 0 fois, vous commencez à vous balader un petit peu dans la jungle, parce que aussi, Panthéon, ça peut jouer jungle. Vous commencez à la jouer safe, enfin, pas trop safe, vous la jouez agressif, vous attaquez, après vous vous feed, et c'est comme ça qu'en Rocket, vous commencez à. Regardez-moi, c'est Kiku. J'aurais l'ulti. Ça serait tellement fun. Mais bon, c'est pas grave. Désolé encore pour la voix de Kikou. C'est très dérangeant, je le sais. Mais bon, c'est le risque. Oh les gars, faut se sacrifier, c'est un Drake. Hop. Merde, merde, merde. Alors, on fait moi les malins? Vous avez quoi, vous? Fais-moi les malins. GG. C'était GG. Mais t'as quoi toi? Arrête avec ton outil là. Ah ok, tu l'avais, mais je voulais quand même te caresser. C'était tellement charmé là. Non, je le voulais. 4 ulti. Pour 5 kills, hein, mais je dis ça, je dis rien. Gitano. Ok, c'est des Français. C'est des Français. Oui, donc la communauté League of Legends aime pas vraiment les Français parce qu'ils font n'importe quoi. Mais moi, perso, ça m'éclate League of Legends. Yes. Attends, faut déjà que je déforme ma tourelle, s'il te plaît. Dommage. Osbir qui était là il y a pas longtemps. Ah oui, ok. Ulti, pente. Ouais, bah j'arrive. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Tu veux l'ulti maintenant ou comment ça se passe? Parce que moi j'arrive, tu sais. Hop, ça c'est fait. Next, voilà. Pff, oh, mais la team quoi. La team de choc. OMG. La team quoi. Ils peuvent plus rien faire, c'est bon, ils vont sur end. Voilà. GG. Putain, ils ont bien fait de la merde. Je crois qu'ils trollaient ou un truc. Mais bon, je crois qu'on est reparti pour en faire une.
Non, bon, voilà, c'était quand même pour vous montrer. Je crois que le son était trop fort. Attendez, je reviens. Oui, donc c'était pour vous dire que Panthéon, ça joue off-tank, mais moi j'ai pas pu faire tout mon stuff. Mais Panthéon, ça joue avec un ange gardien. Attendez. Une hydre vorace. Oui, un ange gardien. Après, ça peut jouer avec les 1000 de vie, je sais plus comment ça s'appelle. Un sablier de Zonia pour être indestructible. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé. Et aussi que quand vous jouez avec une Irelia, il faut que en fait la meilleure attaque avec Irelia, c'est la défense. Voilà, je tiens à vous dire. C'est pas faire comme elle, c'est-à-dire en début de game, c'est-à-dire en early game. Elle vous fait max dégâts, du coup faut quand même la jouer un peu safe. Vous savez, avec le A, vous lui mettez du petit dégât après. Quand vous êtes niveau 3, vous commencez à lui foncer dessus, et puis là, c'est bon. Mais bon, moi, vu que je suis en bronze, les gens sont un peu plus nuls. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Oui, donc c'était pour vous dire que Panthéon, ça joue off-tank, mais moi j'ai pas pu faire tout mon stuff. Mais Panthéon, ça joue avec un ange gardien. Attendez. Une hydre vorace. Oui, un ange gardien. Après, ça peut jouer avec les 1000 de vie, je sais plus comment ça s'appelle. Un sablier de Zonia pour être indestructible. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé. Et aussi que quand vous jouez avec une Irelia, il faut que en fait la meilleure attaque avec Irelia, c'est la défense. Voilà, je tiens à vous dire. C'est pas faire comme elle, c'est-à-dire en début de game, c'est-à-dire en early game. Elle vous fait max dégâts, du coup faut quand même la jouer un peu safe. Vous savez, avec le A, vous lui mettez du petit dégât après. Quand vous êtes niveau 3, vous commencez à lui foncer dessus, et puis là, c'est bon. Mais bon, moi, vu que je suis en bronze, les gens sont un peu plus nuls. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!